6. Je vais lire à partir du verset 2. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Voilà ce que la Bible dit. Jésus dit, où est-ce qu'on peut trouver du pain pour nourrir les gens? On a un sérieux problème dans l'église. C'est quoi? C'est que, on a ce genre de verset, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger et ce dont vous allez vous vêtir. Cherchez d'abord le royaume, toutes ces choses vous seront données par... Qui connaît ce verset? Bien. À cause de ce verset, qu'est-ce qu'on dit? Non, moi, les choses du monde, ce n'est pas mes choses, tu vois? Les chrétiens qui veulent se spiritualiser la façon, là, tu vois? Non, moi, je suis très spirituel. Moi, les choses du monde, je ne suis pas là-bas. Moi, il n'y a que le Seigneur que j'aime, tu sais, les spirituels. Voilà, cela, vraiment, béni soit le Seigneur. Mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas ce texte. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Mais, donc, c'est-à-dire, ne cherchez pas ça, ne passez pas votre temps à chercher ça. Cherchez le royaume. Pourquoi? Quand vous allez trouver le royaume, toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire les vêtements, c'est-à-dire la nourriture. Vous seront données par-dessus. Maintenant, quelqu'un, moi là dans le pays d'où je viens, le Congo en l'occurrence, on nous prêchait le royaume des cieux, c'est-à-dire que quand on va mourir, quand on meurt, on ira au ciel, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc tout le monde se bat pour entrer dans le royaume des... Maintenant, je pose la question. Jésus nous dit que quand on trouve le royaume des cieux, on me donnera des vêtements, on me donnera des habits, on va tout me donner. Je pose la question. Est-ce qu'au ciel, j'en aurai besoin? Je vous pose la question. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ceci. Quand on parle du royaume des cieux, ce n'est pas quand tu vas mourir. On entre dans le royaume des cieux en étant vivant. Vous comprenez ça? C'est de ton vivant. Voilà pourquoi on dit que c'est par beaucoup de souffrance qu'on entre dans le royaume. Un homme, on entre dans, pour entrer dans le royaume, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. C'est-à-dire, c'est de ton vivant que tu vas expérimenter le royaume. C'est pas quand tu veux mourir, quelque part on va partir. Vous allez entendre des choses aujourd'hui, mon Dieu. Non. C'est-à-dire, on va vous donner tout ça. Quoi? La nourriture. Quoi? Les vêtements. Maintenant, on va encore plus loin. Pour avoir les vêtements là, tu as ça gratuitement? Il faut acheter, n'est-ce pas? Il y a même... Ah voilà, je tombe bien, je regarde dans ton côté. Donc, les spécialistes de la SAP. Du côté du Congo là-bas. Donc il y a eu une bataille entre les Congolais de ce côté-ci de Brazza et les Congolais de Kinshasa. Pourquoi affaire de sap? Les Congolais de Brazza disent que ce sont eux qui ont initié la chose. Bon, on va leur concéder cela. Donc les sapeurs connaissent les prix des vêtements. Pourquoi les gens aiment s'habiller? Parce qu'ils montrent par son vêtement que j'ai quoi? Très bien, j'ai quoi? Certains diront le bougnac. Ça dit, j'ai l'argent, quoi? Mais on parle de vêtements. Bien, vous avez faim. On voit des personnes en cours de route qui nous disent une petite pièce pour manger. Donc pour manger, il faut quoi? Vous n'entrez pas à Carrefour. Chandaraba, Satamama. Shikamama. Alléluia. Remamama. Santé que les. Prends ça. Shikamama, mama. Handababa. Pom. Quoi? Prenez. Shikemene. Remplis le chariot. Chandaraba. Oui, Seigneur, tu vois les gens. Shikene, meme. Koriababa. Voleur. Alléluia. Voleur, oui quoi.
Tu vois, ça veut dire que même pour manger, c'est l'argent. On fait même un budget pour manger. C'est-à-dire que vous mangez un montant. Tu t'habilles un montant. C'est-à-dire, quand on dit la nourriture et le vêtement vous seront donnés par-dessus, c'est de quoi on parle? Cherchez d'abord le royaume et l'argent vous sera donné par-dessus. Est-ce que vous comprenez? Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens vivent avec un discours religieux dans la tête. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, il ne faut pas parler d'argent. Tu vas comprendre que tu es voilé. Pour que tu rendes une bonne action de grâce, je n'ai qu'à signer un chèque de 10 000 euros, je te donne. Tu vois, alléluia! Vous n'avez qu'à voir les personnes en cours de route qui vous demandent quelque chose. Eux, ils s'attendent à recevoir une pièce. Mais tendez-lui un billet, vous allez voir. Comment son visage s'illumine. Comment il automatiquement, il lève les mains vers le ciel et il dit, Dieu est avec toi. Pourquoi? À cause d'un billet de banque. Quand l'argent est dans ta vie, l'action de grâce entre dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est chaud, hein? C'est chaud, je vous dis. Comprenez bien ça. Voilà. Moi, j'étais dans une église où le pasteur ne parlait jamais d'argent. Soit quand il devait dire, voilà, on va faire une offrande, il passait rapidement, il ne voulait même pas insister dessus. C'était la période où j'ai accumulé les dettes. Si l'église n'a pas un discours clair sur les finances, le peuple de Dieu ne peut pas prospérer. Certains sont devenus spécialistes pour dire que, soi-disant, l'évangile de prospérité, c'est démoniaque. C'est toi qui es démoniaque. Parce que toi qui n'aimes pas la prospérité, je vais commencer à prier Dieu pour que le malheur entre chez toi. Comme ça, quand tu ne veux pas la prospérité, donc, vaut mieux que tu reçoives l'autre partie. Ou bien c'est pas ça? Qui veut que ses enfants deviennent des SDF? Non, dis que moi, comme ça on peut distribuer ça aussi. Non. Ah. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. La prospérité signifie simplement aller de l'avant. Amen, 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 amen. C'est avancer. Vous comprenez? Donc les gens qui viennent vous dire que la prospérité est démoniaque, c'est lui qui est démoniaque. Il veut vous voir souffrir. Il veut vous voir continuer à galérer. Il veut vous voir continuer à souffrir. Salomon, Dieu lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, Salomon, très spirituel, tu sais, oh Seigneur. Oui, Seigneur, selon l'enseignement prophétique que j'ai reçu de Nathan. Seigneur, j'aimerais juste avoir un cœur, tu sais, pour être un bon roi, pour aider ce peuple. Donc toi, tu ne vas pas manger. Les gens veulent te faire plus royaliste que le roi, quoi. Plus spirituel que l'esprit lui-même. L'esprit t'a mis dans un corps, il sait que ce corps a besoin d'être habillé, a besoin d'être nourri. Vous voulez, si je ne vous comprends pas, les chrétiens, quoi. Et c'est quand maintenant l'huissier t'envoie des trucs de relance, là. Mon Dieu, tu es où? Oh, mon Dieu, tu es où? Mais quand il te parle d'argent, tu boutes. Je vais parler d'un. Alléluia. Non, il faut que les choses soient claires. Précises, quoi. Donc, arrêtons d'être plus royalistes que le roi. Salomon. Il dit à Dieu, je veux un cœur. Mais Dieu dit, mais c'est moi qui t'ai fait roi. Tu penses sincèrement que je peux te mettre sur le trône là, sans te donner les dispositions royales? Quand Dieu envoie quelqu'un, c'est Dieu, c'est sa responsabilité de t'équiper. C'est pas toi qui vas dire à Dieu, non Seigneur, je veux, non. Si c'était appelé, je vais t'équiper. Donc, vous qui êtes appelé au ministère, ne vous troublez pas. Si Dieu t'a appelé, laissez-le, il va vous équiper. Laissez-le faire. Donnez-lui le temps de vous équiper. Ne partez pas avant le temps. Amen, 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 amen. Écoutez ce que Dieu dit. Oh, c'est bien. Je vois que tu as bien appris la leçon de Nathan. Maintenant, écoute. Moi, je te donne en plus de ça.
la richesse, amen, la gloire, amen, et la longue vie. Amen. Dieu dit qu'il donne à l'homme la richesse et la gloire. C'est Dieu. Or, Dieu n'est pas venu là. Alléluia, je te donne des dons spirituels. Tu vas recevoir. Tu vois. Non. Dieu connaît l'homme. C'est Dieu qui a créé la création matérielle. C'est Dieu qui l'a faite. Et il sait que dans le monde matériel, il y a des choses qui expriment sa gloire. Amen, amen, amen. Et il donne à son oint richesse, amen, et gloire. Amen. C'est tellement fort, c'est tellement dans le plan de Dieu que Jésus lui-même dit, Salomon même dans toute sa gloire, amen, 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 n'a pas été vêtu comme vous, vous deviez l'être. Alléluia. Alléluia. Jésus qui dit ça. Mais la religion nous a dit, on ne parle pas d'argent dans le temple. Ceux qui parlent d'argent sont des marchands du temple. Dans le travail pastoral pratiquement que je fais avec mon équipe là, je sais quand ils sont contents, je sais aussi quand ça ne va pas. T'as à faire un peu, hein. Tu vois, les gens sont un peu contents au début du mois. Entre le 1er et le 10, ils ont un certain sourire qui va en déclinant. Et à partir du 15, ils sont en roue libre jusqu'à la fin du mois. Il ne faut pas le déranger, il ne faut pas lui parler, il ne faut rien lui demander parce qu'il va te raconter ta vie. Tout ça pourquoi? Si à l'église on n'en parle pas, où est-ce qu'on va t'en parler? Dans une époque comme celle-ci où on parle de crise économique, où les nations sont agitées, Dieu dit qu'il va ébranler les nations. Amen, amen. Et il va faire venir dans sa maison les trésors, les richesses des nations. Vous voyez que dans un pays est en banqueroute. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Lorsque cette situation est arrivée en Égypte, tous les économistes de l'Égypte se sont rassemblés pour dire que le pays ne va plus bien. C'est la crise. Toutes les richesses sont parties. Nos banques sont vides pour une seule raison. Dieu avait dépouillé l'Égypte pour donner à son peuple. Quand vous entendez la crise à la télévision, ça ne vous concerne pas. Dites-vous, Dieu est en train de bosser, hein? Dieu est en train de travailler pour nous. Dieu est en train de bosser pour nous. Oh, Dieu est en train de travailler. Et je veux croire qu'il travaille pour quelqu'un ici. Je veux croire qu'il œuvre pour quelqu'un qui est ici ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. La visualisation derrière est puissante. Quelqu'un répète depuis le début du culte qu'il est millionnaire. Ah! C'est bon. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, là, c'est chacun pour chacun. Dieu va se débrouiller pour tout le monde. Ce qui est sûr, écoutez-moi très bien, ce qui est sûr, c'est que l'Égypte a crié crise, mais quelqu'un, quelque part, criait abondance. Quand les nations sont ébranlées, c'est le signe que l'Église, c'est-à-dire le peuple, l'Ecclésia, ceux qui sont appelés hors d'eux, hors du système, ceux-là vont être enrichis. Vous comprenez? Oh non, la Grèce, oh ceci ou cela, c'est pas votre problème. C'est un système. Il y a des gens que Dieu fait sortir du système. On pousse encore un peu plus loin. Regardez, il y a 2000 ans, le salaire du gars qui travaillait par jour était de 1 denier. Les spécialistes nous ont dit que 1 denier, c'est à peu près 7 euros net.
7 euros qu'on paye quelqu'un. Non, non, qu'est-ce que je raconte? C'est à peu près 83 euros par là. Un denier. C'est le salaire d'une journée de travail. Maintenant, par heure, ça nous amène en net à un peu moins de 7 euros. Donc 6,43 euros ou 6,80 euros et quelques. 2000 ans après, je suis allé regarder le salaire net en heure en France pour un smicard. Tu te retrouves avec, en net, je ne parle pas en brut, moins de 7 euros. 2000 ans d'histoire ont passé. Le statut de l'ouvrier n'a pas changé. Et pourtant, le communisme est passé par là. Et pourtant, les socialos communaux, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, sont passés par là. Les grands esprits éclairés qui ont voulu dire qu'eux peuvent changer le statut de l'homme sont passés par là. Mais écoute-moi, celui qui fait qu'il y ait des petits et des grands, c'est Dieu. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. On a voulu dire... Je suis, en France, on dit égalité, fraternité, liberté. Je suis d'accord avec ça. Tout le monde voudrait qu'on arrive à ça. Mais la réalité est tout autre. C'est un vœu pieux qu'on aimerait atteindre un jour. Mais on devient effectivement égaux que dans la grandeur. Toi, tu es grand, moi, je suis petit, j'ai rien. Comment peut-on être égaux? Raconte-moi tout ce que tu veux, mais si moi-même, je ne suis pas assis là où tu es assis, on n'est pas égaux. Vous m'en comprenez? Donc, réalisez très bien, ça n'a pas changé. Mais cette année-ci, les grands patrons français ont gagné près de 200 fois le SMIC. Est-ce que vous imaginez? Près de 200 fois le SMIC. Des gens comme vous et moi, qui ont un corps comme vous, qui vivent aujourd'hui, ont gagné 200 fois ce pourquoi vous allez trimer tous les matins. Et nous, on vient, alléluia Seigneur, moi je vais aller au ciel, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Alléluia. La Bible dit ceci. Vous savez, bien aimé, quand Dieu veut faire quelque chose, quand il y a pauvreté, quand il y a maladie, la Bible dit, Dieu réagit. La Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. Face à la maladie, Dieu envoie sa parole. Face à la pauvreté, Dieu envoie sa parole. Dieu n'a pas d'autre remède que sa parole. D'où des gens, oui, mais il fait que parler. Oui, je suis homme de Dieu parce que Dieu m'a rempli de sa parole. Je suis messager de Dieu parce que Dieu m'a rempli de sa parole. Et je suis ici ce matin avec sa parole pour toi. Et tu dois croire, tu dois ouvrir ton cœur pour recevoir. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, reçoit la bénédiction. Écoutez bien ceci. Dieu envoie sa parole pour régler une situation. Les gens crient, les gens disent qu'est-ce qui ne va pas. Mais Dieu ne fait qu'une seule chose, il envoie sa parole. Tu devras toujours gérer la parole de Dieu. Tu devras toujours gérer le messager. Oh non, tel messager m'a trompé. Tel messager s'est joué de moi. Dieu ne peut pas faire autrement. Pour envoyer sa parole, il lui faut un messager. Il va équiper quelqu'un et il va l'envoyer. Le problème, c'est que certains partent avant qu'on les envoie. Vous comprenez ça? Avant, quand on voit Dieu faire un travail, il te consacre. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu envoie sa parole? Qu'est-ce que cette parole a de... C'est quoi? La Bible dit, au commencement était... La parole était... Et la parole était... On dit que la parole était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par... Il n'y a rien qui a été fait sans elle. C'est-à-dire, Dieu a tellement confiance dans sa parole. Parce que c'est cette parole-là qui a l'origine de tout. Tout ce que vous voyez vient de la parole. Tout ce qui existe vient, est soutenu par une parole. La puissance est soutenue par une parole. Le règne est soutenu par une parole. L'honneur par une parole. La louange par une parole. La richesse par une parole. Tout ce qui existe, pour ceux qui font un peu de chimie, qui connaissent le tableau de Mendeleïev,
Chaque métaux a un code. Et ceux qui étudient un peu l'hébreu, ils savent que en hébreu, les lettres ont des significations. Les lettres sont en même temps des chiffres. Si je donne à quelqu'un de l'eau, toi tu vas dire de l'eau, mais le chimiste dira donne-moi H2O. C'est-à-dire, derrière ce que vous vous appelez, le profane va appeler de l'eau, lui va appeler ça H2O. Et même s'il veut t'énerver, il va trouver un autre nom encore. Toi tu dis c'est quoi? Il dit ça là. Mais c'est de l'eau, non, mais non, lui il est dans son monde. Toute chose, tu veux modifier une structure, tu veux modifier l'apparence d'une chose, va à l'intérieur, modifie la structure interne et tu verras l'extérieur changer. C'est comme ça que Dieu travaille, Dieu commence toujours dedans avant de changer dehors. Dieu modifie ton ordinateur interne, il va dans ton disque dur et il reformate les choses, il défragmente les histoires, il fait tout un boulot interne. Quand il a fini là-bas, venez dire appuyez le bouton. Quand vous allez là, vous allez être étonné de ce qui va arriver. Dieu envoie sa parole. Peux-tu croire dans cette parole? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Maintenant, quand on pense au commencement, automatiquement en français, on pense à une époque il y a longtemps. Tu vois? À une époque il y a très longtemps. À une époque révolue, oubliée. Dans les films là. Non, non, non. Au commencement, ça vient de l'hébreu Bereshit. C'est ça même. Bereshit. C'est un assemblage de deux mots. Le B ici et le Réchit. B signifie dans, à l'intérieur. D'où certaines Bibles, quand ils nous font, ils nous disent, ils nous traduisent, la Bible Chouraki par exemple, traduit Genèse par en tête. En. En là, c'est dans, c'est le B ici. Tête, Réchit. Principe. Ce qui commande. D'autres même poussent. C'est comme une matrice. Quelqu'un a vu la matrice? C'est comme une matrice. C'est une pensée. C'est la structure dans laquelle se trouve tout est écrit, tout est établi. C'est-à-dire, c'est la pensée intime, la pensée secrète de Dieu. La parole était au commencement. C'est-à-dire, la parole était dans la pensée de Dieu. Quelqu'un comprend? Quand vous entendez au commencement était la parole, dans la pensée était la parole. Dans la pensée, dans la pensée divine était la parole. C'est-à-dire, la parole était une pensée. Quelqu'un comprend? Avant de parler, tu penses. Voilà pourquoi on dit, un homme est tel que sont les pensées de son âme. Donc fais attention aux pensées que tu as. Donc quand on voit un frère dire il est millionnaire, on ne va pas dire mais frère tu exagères. Frère exagère. Tu es tel que sont les pensées de ton âme. Tu vas être comme sont les pensées de ton âme. Quelqu'un, la Bible dit, c'est ce que je crains qui m'arrive. Quelqu'un comprend? Ce que je redoute qui m'atteint. Donc, votre pensée est un aimant. Quelqu'un dit la parole était pensée. Maintenant, on dit, et la parole était avec Dieu. Donc, ça fait des grandes discussions théologiques, religieuses, des guerres même, etc. Mais et le peuple suit ces mouvements-là. Tel pasteur a dit, tel a dit, mais toi-même, tu dis quoi? La parole était avec Dieu. C'est quoi être avec Dieu? La Bible nous dit qu'il y a un homme qui a marché pendant 300 ans. Dont le nom, il s'appelait Enoch. Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Quand il a marché pendant ces 300 ans, on dit que Dieu le prit. Et il était avec Dieu. Et on ne le vit plus.
On dit que Moïse entra dans la nuée et il resta là avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Suivez bien. Enoch, le nom Enoch signifie l'initié. L'instruit, celui à qui on a été illuminé, à qui on a révélé les choses. L'illuminé, l'initié, a marché pendant 300 ans. Pourquoi pendant 300 ans? Donc, il a marché sur quoi? On marche sur une route. La Bible parle du chemin de la paix. Mon peuple ne connaît pas le chemin de la paix. Chemin de la paix se dit en hébreu Derek Shalom. En chiffres, ça nous donne ici 224 et ici 376, qui nous font à eux deux 600. Derek Shalom, le chemin de la paix. 600, c'est la valeur numérique du mot Sheker, le mensonge. 600, c'est aussi Shesh. Shesh, c'est le fin lin qu'on utilisait pour faire le voile qui cachait le lieu saint et le lieu très saint. Vous êtes toujours là? Ne dormez pas, j'explique. Il faut que tu comprennes les choses. Ce qui va t'arriver, il faut que tu comprennes. Vous ne pouvez pas dire après que non, c'était de la magie. Il faut que tu comprennes. Trois sens symbolisent la traversée du voile. Voilà pourquoi Gédéon, Dieu va lui dire, choisis 300 personnes. Les 300 personnes devront avoir un vase et dedans de la lumière, comment dire, le flambeau à l'intérieur. Ils devront briser le vase et libérer la lumière. C'est l'image, le vase là, c'est le voile de la chair qui cache la révélation de Christ. Pour vaincre, pour récupérer la prospérité, il faut déchirer le voile. Parce qu'il y a un voile qui couvre toutes les nations. Il y a un voile qui nous cache. Quand on lit l'écriture, il y a un voile sur l'écriture. Nous lisons la Bible, mais nous sommes confrontés à la lettre. Or, la lettre tue. Si tu n'as pas la révélation de l'écriture, tu meurs. Vous êtes là? Dis à ton voisin, ne dors pas. Je sais qu'à ce moment-ci, c'est des coups de marteau sur la tête, mais il ne faut pas dormir, il faut tenir. Il y a du bien après. Ouais, voilà. Alléluia. Regardez. L'initié a marché 300 ans. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? C'est-à-dire qu'il a marché sur le chemin ici de la paix, l'instruction de la parole de Dieu. Il a marché pour percer les secrets, pour percer le voile. C'est au bout de la 300e année, c'est-à-dire quand il a percé le voile, qu'on dit que Dieu le prit. Et il fut avec Dieu, on ne le voyait plus. Quand quelqu'un est avec Dieu, on ne le voit plus. Je continue. Comprenez bien. Or, quand on nous parle d'enlèvement, ça te parle à quelqu'un l'enlèvement? La Bible nous dit que nous serons tous enlevés. Nous irons où? Au son de la trompette, nous serons enlevés dans les nuées. Nous serons dans les nuées avec le Seigneur, oui ou non? Nous allons rester là normalement 3 ans et demi et puis nous revenons sur terre, oui ou non? Bien, c'est ça, non? Oui, oui. Amen, amen, amen. Mais ça, là, frère, c'est un mystère. Et il y a la science de tous les mystères. Le problème, c'est qu'on a gavé l'Église avec des mystères non élucidés. Et pourtant, tous les jours à la télévision, on a des films comme L'Expert, on a des films, tu sais, pour élucider des mystères. Hein? Mais à l'Église, on gave les gens de mystères non élucidés. Donc, les gens vivent avec une espérance, je vais aller au ciel, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Prêt pour les trauma chocs? Écoutez bien ceci. L'exemple que l'on donne pour parler d'enlèvement dans la Bible, c'est Enoch. Dans Hébreu, on dit, Enoch fut enlevé. Parce qu'avant son enlèvement, il a reçu de Dieu le témoignage qui lui était agréable. Le mot là, enlèvement, c'est métathésis. Métathésis, c'est méta, c'est-à-dire passer d'un état à un autre. Et c'est quel état? Le thésis, c'est une thèse, c'est une doctrine, c'est une pensée, une mentalité. Je passe d'une sagesse, d'une compréhension à une autre. Je suis transposé. Amen.
On voit des films qui font peur aux gens. L'instant d'après, des films comme ça où les chrétiens tremblent, ils sont là en tremblant. Ça dit, frère, garde-toi, tu iras au ciel. L'enlèvement est venu te chercher. Ok, le prophète est là pour t'expliquer de quoi il s'agit. Moi, j'ai vu, Dieu me l'a montré. Et on m'a expliqué, on m'a dit, tu as vu, voilà l'enlèvement. J'ai vu un ange au-dessus, avec un gros chauffard, en train de sonner. Mais c'était quoi? C'était, il révélait le mystère. Il dévoilait, et quand il révélait le mystère, les gens étaient arrachés de la poussière, étaient arrachés de la terre, étaient arrachés de la mentalité terrestre. Parce que la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, de même que les cieux sont séparés de la terre, ainsi en est-il de mes pensées. Or, je parle à qui ici? Dieu t'arrache. Dieu t'arrache de la terre. Dieu t'arrache de la pensée terrestre, de la pensée animale, de la pensée charnelle, et il t'emmène dans sa pensée. Maintenant, écoutez très bien ce qui se passe. On dit que Enoch fut enlevé. Pourquoi? Parce qu'au bout des 300 ans, ça dit quoi? Quand il a déchiré le voile, il est allé de l'autre côté du voile, là où allait le souverain sacrificateur, qui allait voir le secret. Mais il est entré dans l'obscurité, puisque le lieu de l'autre côté était obscur. Il n'y avait pas de lumière dans le lieu très saint. Celui qui entrait dedans, entrait dans le secret de Dieu. Dieu, quand il t'enlève, il prend un peuple et l'introduit dans son secret. Est-ce que vous comprenez ça? Tu es arraché au son de la trompette, au son de la voix prophétique, au son de l'enseignement prophétique. On t'arrache de la terre, on t'arrache du monde profane et on t'introduit au-delà du voile. On t'introduit dans la nuée, on t'introduit dans le secret et tu vas demeurer là avec Dieu pendant les 3 années, le temps de la lecture de l'écriture, le temps de la lecture de toute la Bible, le temps qu'on t'explique les mystères. Tu seras, écoutez, tu seras dans la nuée avec le Seigneur. La Bible appelle ça les noces de l'agneau. En fait, l'agneau sera en train de te féconder dans le secret, dans la nuée. Et quand tu vas sortir, envoyer la voix prophétique, la trompette, pour venir t'expliquer les mystères et t'introduire dans le secret, t'introduire à l'écart, dans la nuée, où tu vas demeurer dans la nuée pendant tout un temps. Mais après ça, quand tu auras fini d'être dans le secret de Dieu, tu vas maintenant sortir du secret pour apparaître devant le monde. Voilà pourquoi on dit au commencement, dans la pensée était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est quoi? C'est-à-dire que la parole était secrète. Maintenant, suivez-moi. Je sens une ouverture. Maintenant, écoutez. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire que dans la pensée, la parole était encore obscure. Elle était encore secrète. C'est-à-dire, la parole était d'abord ésotérique, cachée à l'intérieur. Personne ne la voyait. Ce n'était qu'une pensée, cachée. Mais on dit, et la parole était Dieu. Jésus lui dira, Dieu est esprit. C'est-à-dire que la parole était esprit. Quelqu'un est là. Non seulement la parole était pensée, était une pensée, mais en plus de cela, la parole était cachée. On ne la voyait pas. Pour une raison. Elle était esprit. Fais ça. Est-ce que tu vois le souffle? Le mot esprit, c'est souffle. Pneuma. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on nous dit que toute chose que l'on voit, toute chose créée, a été faite par elle. Donc, au commencement, dans la pensée, toute chose existait déjà. Ok?
Quelqu'un comprend? Dans la semence, vous existiez déjà. Oui ou non? Mais vous étiez caché. Dans l'obscurité. Jusqu'au jour où on doit vous. On vous... Alléluia! Alléluia! Au commencement, c'est-à-dire dans la pensée, était la parole. Or, c'est cette parole qui est la source de tout ce que nous voyons. Donc, tout ce que nous voyons était dans la parole, qui était elle-même dans la pensée. Donc, toute chose que nous voyons était d'abord pensée. Amen. Était d'abord pensée. Et puisqu'il est question de finance, il est question de richesse, la richesse était d'abord pensée. Puisque la richesse, avant d'être richesse, était parole. Maintenant, pendant que je vous parle, je suis en train de libérer la richesse sur vous. Mais votre problème, c'est que vous ne voyez pas ça encore. Avant que la richesse ne soit visible, elle est d'abord invisible. Voilà pourquoi on dit au commencement, dans la pensée était la parole. D'où je vais paraphraser la Bible, dans la pensée était la richesse. La richesse était avec Dieu. C'est-à-dire que la richesse était cachée. La richesse était voilée. Et cette richesse était Dieu, était esprit. Mais la Bible dit que ça ne s'arrête pas là. Et la parole a été faite. Au commencement, la parole. On vient de comprendre que toute chose est dans la parole. Donc, vous devez lire, quand vous lisez votre Bible, vous devez voir dedans. Au commencement, dans la pensée était la richesse. Dans la pensée était la santé. La santé était cachée. On ne la voyait pas. Parce que la santé était esprit. La richesse était pensée. Amen. Et la richesse était cachée. Elle était, on ne la voyait pas. Tout ce que les gens voyaient, c'était la pauvreté, la galère. Les gens ne voyaient que RMI, ne voyaient que CAF, ne voyaient qu'assistance sociale, ne voyaient que huissier, ne voyaient que SMIC, ne voyaient que cela, ne voyaient que balayage, ne voyaient que spécialiste expert en balayage NC, nettoyage, tout ce que tu veux. On ne voyait que ça. Pourquoi? Parce que la richesse était cachée. Et la richesse était souffle. La richesse était esprit. La richesse est un esprit. C'est un état d'esprit. Vous devez pouvoir penser richesse, parler richesse. Pourquoi? La Bible dit. La Bible dit. Et la parole a été faite chair. Écoutez, c'est-à-dire qu'au début, c'est la pensée. Mais regardez la finalité. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que. Allez, le commencement, c'est la pensée. La Bible dit vaut mieux ce que mes yeux voient plutôt que l'agitation des désirs. Vaut mieux ce que je vois. Ça, pourquoi? Et la parole a été faite chair. Écoutez, Jean, frère, toi, tu es trop charnel. Oh, c'est que vous n'avez pas compris. C'est les gens qui sont sur terre, là, qui veulent se spiritualiser. Non, moi, je suis spirituel, je veux le monter au ciel. Si vous avez compris, le drame de ces gens-là, c'est que dès qu'ils arrivent au ciel, ils entendent le ciel crier. Terre! Nous, on descend, nous, on descend. Ceux d'en haut veulent descendre. Ceux qui sont du terre, spiritualisation. Le ciel répond, matérialisation. La terre crie,
matérialité. Le ciel répond, matérialité. Oh. La terre crie, non, nous on veut quitter la terre, on veut quitter notre corps, on veut se désincarner. Le ciel crie, incarnation. C'est-à-dire, oh. La parole est faite chair. Quelqu'un veut aller chez Dieu dans l'invisible. Dieu a pris Moïse, viens avec moi dans l'invisible. Moïse a été étonné à l'intérieur là-bas. Moïse, oui Seigneur, je t'écoute. Tu diras à mon peuple de m'apporter une offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain, tout ce qu'il y a de précieux, des vêtements et tout. Hein? Je suis dans le secret, je suis dans le. Avec Dieu. Donc, je pensais que j'allais me parler des choses spirituelles. Non, Dieu dit non. Tu as vu quand tu ressors là, tu dis aux gens d'apporter des richesses, tout ça. Bâtissez-moi une maison. J'en ai marre de rester tout seul ici caché là. Bâtissez-moi une maison, je vais habiter au milieu de vous. Cette parole qui était au commencement qui est cachée, cette richesse qui était au commencement qui était cachée, cette richesse là veut te faire chair et habiter au milieu de son peuple. Celui qui était caché, celui qui était dans le secret, va dire un jour, et voici, je suis avec vous tous les jours. La parole qui était cachée va dire, voici, je suis avec vous tous les jours. La richesse qui était cachée dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Vous devez intégrer dans votre esprit ce que vous êtes aujourd'hui. Ce sont vos pensées. Ce sont vos pensées. Vous ne comprenez pas, vous ne réalisez pas. Dieu est invisible. La seule, le désir de l'esprit, le désir de Dieu, c'est de s'incarner. C'est de prendre forme. D'être vu. Le mot pour parole, c'est d'abord en hébreu. Mais d'abord signifie aussi les choses. C'est le même mot pour parole, esprit. Mais c'est aussi les choses que l'on voit. Les choses que l'on touche. La chose que vous touchez est une parole. La richesse qui vous caractérise aujourd'hui, c'est une parole. Amen, 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 amen. D'où attention à ce que, là où vous mettez vos oreilles. Tu veux écouter des gens, c'est-à-dire tu dis frère, tu dois te. Le contentement, frère, tu dois te contenter de ce que tu as. Parce que la Bible dit, si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Ah, on va avoir ça comment? Vêtements et nourriture, on va avoir ça où? Il faut que j'aille m'inscrire Que tu as été créé. La Bible dit que l'homme est la gloire de Dieu. L'homme est la théophanie, la lumière, l'explosion de lumière divine. On voit, Dieu est invisible. Nul homme ne peut le voir. Mais ce Dieu invisible se fait visible. Alléluia. Au travers de vous. C'est au travers de vous que les gens peuvent voir Dieu. Qui est ce Dieu-là? L'Éternel, je ne le connais pas. Pharaon, tu ne connais pas l'Éternel? Dis, je ne connais pas. Oh, tu n'as pas été un élève de Joseph. Tu penses que la bénédiction de l'Égypte, là, c'est toi. Hein? Tu n'as pas compris que c'est Jacob qui était venu bénir l'Égypte ici. C'est Jacob qui a béni Pharaon. Il a imposé les mains. Que l'Égypte a été bénie à cause de cette famille-là. Donc tu dis ça, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu dit, Moïse a dit, Seigneur, je ne comprends pas, tu m'as envoyé dans un coin ici, les gens ne te connaissent pas. Il dit, ce n'est pas grave, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et pour l'Égypte. Moi, toi, je te fais Dieu. C'est-à-dire, Pharaon va me connaître au travers de toi. Amen.
Oh, les gens ne croient pas en notre Dieu. Pourquoi voulez-vous qu'ils croient en un Dieu qui ne voit pas? Pourquoi voulez-vous qu'ils croient en un Dieu qui est infirme? Un Dieu impotent, un Dieu tétraplégique. Un Dieu qui est un légume dans un hôpital, dans un lieu obscur. Un Dieu qui n'agit pas. Un Dieu qui ne répond pas. Et quand on l'invoque, un Dieu qui n'intervient pas dans nos situations. Un Dieu qui ne nous fait pas prospérer. Un Dieu qui ne nous enrichit pas. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Lisez leur histoire, ce sont des milliardaires. J'ai cru dans ce Dieu-là. Je n'ai pas cru dans une religion. J'ai cru en celui qui un jour, dans la Bible, dans les Écritures, a dit à Abraham, suis-moi, je ferai de toi. Je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça?